Yo les gars, ici Monkey D. Luff et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, gameplay Outa V1 80 Boost 2 Team 164,9%. Mais d'abord, même si pour vous on est lundi, je tourne le dimanche, donc la petite multi gratuite, voilà, ça fera. Voilà, on va pas dire que c'est un rituel maintenant les multi, vu que dès demain j'aurais plus de quoi en faire. Mais du coup, on va la faire tranquillement en vidéo. Ok, les Nakama, coffre en bois, c'est pas ouf. Drapeau doré, ok. Grove 27, on est certain d'avoir. Grove 32, on a un truc. Bon, barbe blanche, ça me paraît compliqué, mais on a quand même de bonnes animations. D'ailleurs, juste avant de tirer le trait, big up au frérot Yuto qui a fait la miniature de la vidéo d'hier, d'aujourd'hui et de celle qui sort demain. Le son du jeu est trop fort. Et ça running gun. Bien. Du coup, bien évidemment, le lien de sa chaîne est dans la description. Bon allez, on tire ce trait quand même. C'est la seule multi du jour, on prend notre temps. Ça m'étonnerait qu'on ait barbe blanche. Mais si on peut avoir un truc, on prend attaquant du cola. C'est pas franchement ce que j'appelle avoir un truc, du coup. On préférait du non-cola. Défenseur. La brûlée. Écoutez, elle passe 92. Ouais. Ça reste un BF qui prend 200 fragments. Elle passe 92. On va dire que c'est pas trop mal. On prend du cola en plus. Et on est immédiatement parti pour les games. On va tester la Outa 80. Sachez qu'elle est passée 80 ce matin. Du coup, je ne l'ai pas testé. Du coup, le gameplay risque d'être absolument catastrophique au début. Même à la fin d'ailleurs. Hein. Concrètement, le temps de s'adapter. Et bien évidemment, même si il n'y a que des attaquants et des défenseurs dans notre team, on va partir avec Outa. Voilà. Du coup, logiquement, on devrait s'attendre à avoir des anti-malus en face. Il n'y a que G5 qui est anti-malus. Ok, pourquoi pas. Et on a défenseur dans notre équipe. Que se passe-t-il? Pourquoi le jeu est aussi généreux avec nous? Ça sent la douille. Ouais, c'est y a un joueur qui fait top 10 toutes les saisons, qui cette saison il en reste plus tranquille, et là il vient de sortir sa team monstre. Que se passe-t-il? Bon, en tout cas, ils prennent tous malus à part le G5, donc on va quand même faire un minimum gaffe. Bon, après on est 80, donc faut pas oublier que si on fait sauter notre bouclier, ils peuvent à peu près tous me one-shot. Et... ah, je sais ce qui va se passer. Je vais galérer à mettre le bel canto. Et la fois où je vais réussir, un allié va taper l'ennemi. C'est certain. On va tout de suite se faire le kill adverse. Ok, non, c'est pas trop ce que j'envisageais, mais... on se fait rush en base. Attends, vas-y. Vas-y, Oden Cap. Wesh. Arrête d'essayer d'attraper ma veste. Bon, Oden est mort. Faut faire gaffe. Tac, tac, tac. On fait gaffe. En fait... bon, on est mort. J'ai absolument rien fait. J'ai 62 scores. En fait, le Roger m'a dérangé parce que si le Oden avait cap, j'aurais pu lâcher mon bel canto. Parce que si je rate mon bel canto, bah, comme vous pouvez le voir, 80, je prends tarif. Du coup, boost d'équipe. La esquive parfaite. Cap, cap, cap. Nous, on a notre boubou. Tu as esquive trop tôt. Voilà, là on gratte des dégâts. On a encore tout notre bouclier, pas pour longtemps, mais
Je m'en occupe. Non, c'était quoi cette visée là? C'est la mort garantie. Oh oui, attends, Black Maria. Voilà, bien joué Black Maria. Ok, par contre. Ok, le G5, on est mal barré. On va capturer pendant qu'on a notre bouclier. Il peut nous taper. Voilà, par contre là, du coup, maintenant, on est ultra vulnérable. Et j'ai l'impression qu'on lag un peu. Ok, vas-y Brooke, vas-y Brooke. Voilà, moi je n'assume pas le match-up G5. Oh, la fin de saut. C'était pas volontaire, mais on va se faire le Kuzan. Ah, c'est dommage, le poteau a un peu gêné. Allez, adieu. Il reste 20 secondes, faut aller défendre le mid si possible. Ok, faut défendre la base. Ça, je peux faire. Boost d'équipe. Ok, donc 1, 2. Voilà. Et tu es mort. Ah non. Quoi? Non, me dis pas que j'ai eu un bug et je l'ai vu bel canto alors qu'en fait il était en train de cap. Tu te fiches de moi là. Et vous avez vu les mêmes images que moi, on est d'accord, il était sous bel. Attendez, n'hésitez pas ceux qui ont bien vu à dire en commentaire est-ce que vous l'avez vous aussi vu sous bel canto? Et auquel cas c'est un bug, j'ai trop la haine, ou est-ce que juste je suis totalement abruti ou aveugle, au choix. Bon, on est reparti, c'est dommage, parce que je suis certain que si je lui mets deux autos, un bel canto, c'est fini. Ah, ou alors c'est peut-être l'autre qui... Ouais, ils étaient deux dans le tas, c'est peut-être l'autre qui est venu et qui a cap, et auquel cas j'ai juste été... J'aurais juste dû regarder la minimap, je suis débile en fait. Voilà. Donc là, bien évidemment, personne ne va partir en king alors qu'on est 3 kings. Non mais, voilà, merci, quand même. J'ai 5 à anti-malus. Shanks sous FAQ de roue à anti-malus. Par contre, s'il n'a pas l'effet du roux et qu'on lui cale un bengal canto, on lui met masse dégâts. Bon, le Yamaes, faut faire gaffe, même s'il n'est pas 80, il a des dégâts de fou. Par contre, si on le bel canto, c'est une chips. Et le Iso élément bleu, peut-être notre plus grand prédateur sur la compo de départ adverse, vu qu'il nous met masse dégâts et comme il a plusieurs séquences, il casse notre bouclier. Voilà, nous on va suivre le King, on a un AFK, j'adore, c'est génial. Voilà, donc là, vas-y. Bien joué King. Voilà, donc là le Iso a déjà cassé notre bouclier. Et si on prend une seule compétence au corps à corps, on est mort. Du coup, Shanks, si tu peux le gérer, ça m'arrangerait. Voilà, genre cette compétence, si on se l'était mangé, on serait mort. Non, j'ai pas de boubou. J'ai pas de bouclier, je fuis. Voilà, je n'ai pas de bouclier, je fuis le G5. Non. Ok, on a eu très chaud. Ok. J'allais dire qu'on a eu très chaud, mais non, on se fait avoir par la hauteur. Bon, par contre, là, voilà, j'ai dit qu'on faisait gameplay Uta, mais quand même, à un moment... Voilà, là on a fait un petit truc, on a joué tranquille, mais bon, je ne supporterai pas de perdre contre un G5. Je veux gagner cette partie. Par contre, les mates, je ne peux pas essayer de défendre G5 le plus longtemps possible et défendre tout l'état. Voilà, je suis king, pas un dieu. Donc s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne suis pas... Voilà, donc déjà, on peut partir. On ne capturera... Enfin, on n'empêchera pas le Luffy de cap. Et personne ne cap B. J'adore. Alors que le tas est libre, hein, vraiment. C'est-à-dire que la cap est free. Ok, ça s'accarie. On repart tout de suite au mid qui est pas resto.
toujours le même joueur qui donne l'impression d'être AFK. Hop, on est mort. On est mort. Ouais, c'était sûr. Ok, Garp, tu te fais déchiqueter, très bien. Du coup, on va aller de l'autre côté. Quoique, on va aller. Voilà, en bas. Faut défendre sur D. Et on a personne en base. Le FISBF bleu. Il a esquive parfaite. C'est la mort, c'est fini, c'est la défaite. À part si je fais une masterclass en respawnant avec King. Par contre, va falloir que l'autre. Ouais, non, c'est mort. Wesh, mais défendez! C'est une dinguerie ça! Pourquoi les gens ne connaissent pas le mot défense? Genre là, au lieu d'attaquer, il aurait défendu, c'était win! Bon, écoutez, on se retrouve pour la prochaine game. Ok, donc on est parti pour la dernière game. Anti-malus, anti-malus. C'est tout. Mais lui, il a sa flamme, donc c'est relou. Oh là là, je sens que ça va encore être une game compliquée, encore une défaite. En plus, la game d'avant, enfin, je suis désolé, mais je ne... Enfin, moi, je peux pas faire plus que capturer. Je peux pas capturer notre base et défendre à l'opposé. Vraiment, c'est le... Voilà, c'est simple. Voilà, si jamais vous êtes un joueur qui restait en S+, H24, vous galérez à atteindre la Ligue S7, genre pour vous, c'est une dinguerie. Sachez que c'est juste parce que vous ne défendez jamais vos tas. Ou que vous avez vraiment une malchance absolue et que vos mates ont tous un casse-corps au maximum. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Tu fais quoi, Yamato? Tu fais quoi? Oh, elle a plus de resto que je ne la tape. C'est pas ouf, ça. Clo, élément bleu. Non mais lâche ma veste, Clo. Tu sais, Clo, on peut... Bon. Le gars. C'est une dinguerie, il y a un Clo dans la game, il est venu sur moi. Mais regardez ce qu'ils font, mes mates. Il y a personne qui défend. Enfin si, là, il défend, mais ils étaient deux hors de tout à trésor. Faut pas pousser non plus. Faut pas forcer, il y a quand même des limites. Bon, nous on a notre bouclier. On a beau être attaquant avec... Non mais Clo revient sur moi et il repasse en... Wesh, je me mange un double Clo. C'est quoi cette malchance? Ah, arrêtez de me poursuivre, pitié. Mais... Je me fais focus, y a pas de vanne. Il a abandonné le mid juste pour me tuer. C'est quand même une dinguerie, ça. Lâchez ma veste. Bon, on laisse les mates capturer en B. Nous, on va tenter de partir loin. Ah. Dommage. S'il avait pas claqué son esquive, il serait en vie. Mais... Les clos me pourrissent la vie, sachez-le. Pour moi, Barbe Blanche V3 n'est rien en comparaison de Clo, qui est l'ennemi ultime et absolu du jeu. Voilà. On est enfin à terre et on part. Allez-y, capturez. Mais c'est Clo qui me poursuit. Enfin, là, pour le coup, je peux rien dire, parce que là, enfin, je rêverais que mes mates défendent comme ça, mais... Mais bon, quand même. Laisse-moi vivre! Vous êtes tous témoins, j'ai activé la cape, je n'ai pas eu mon bouclier. Non, mais les gars, défendez! J'en peux plus de ces mates qui défendent jamais! Ça rend fou, vraiment! Mais regardez! Regardez! Il n'y en a aucun qui est resté en B. Vous avez, attendez, là on va regarder la rétrospective parce que là,
Et on va refaire une game, mais là, voir les temps forts, voir les temps. Voir les temps forts. Alors non. Non, je. Wesh. Là, on est d'accord. On arrive dans les dernières secondes. Et personne n'est tombé. Personne. Les trois sont allés attaquer. Le Perros revient beaucoup trop tard. Personne n'est resté en B. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas possible de gagner si on ne défend pas. À moins qu'on ait certain de recapturer derrière ou de mettre une pression énorme à l'adversaire pour que nos mates soient supérieurs dans son priorité numérique dans leur combat. Sinon, ça ne sert à rien d'abandonner un tas. C'est genre la pire erreur qu'on puisse faire. Bon, et le clos qui n'a... Bon, j'espère... Dernière game, hein, bien évidemment, mais j'espère, pitié, pas de clos qui veut... Pas de clos qui veut ma veste. Pitié. Allez, de la chance. Nouvelle rota, nouvelle map. Pas de clos. Shanks a anti-malus. Sanji et Cracker ont réduit de malus. Bon. Bon. Et on a triple def, il n'y a que moi qui ai un fonceur, mais c'est pas possible. Alors, pour votre gouverne, voilà, sachez que c'est bien de défendre. Comme je l'ai dit, c'est nécessaire. Mais oh, et puis, vous savez quoi, on s'en fout. On n'a pas de... Mais comment ça, attaque? Non, me dis pas qu'il y a un cheater dans la game. Sachez que même s'il y a un cheater dans la game, à cause de la restriction de YouTube à une demi-heure, vu que j'ai pas... Par vidéo, vu que j'ai pas mis labo, s'il y a réellement un cheater, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas, ça sera quand même la dernière game. Hop. Bien joué, G5, capture G5. On n'a plus de bouclier. C'est pas ouf comme situation. Bon, on a eu le Shanks en mourant. On a battu le King aussi. On a permis à nos mates une supériorité numérique. Du coup... Le G5 a pu reprendre l'avantage. Au mid, très bien. Je me suis pété sur son invincibilité. Alors, là, on va essayer de mettre la pression. Là, on va se faire agresser comme jamais. Dommage sur la terre. Il a son autre compétence. Je le savais. Bien joué. Biscuit, biscuit très bien placé. Biscuit, non mais il faut le dire. Biscuit très bien placé. Hop, là, on repart avec Laouta. Il y a un King. Je te vois, King. Je te vois. Tu es ma seule cible, King. Tu es le... Tu es littéralement le seul qui n'a pas anti-malus ou réduc de malus ici. Par contre, tu es sous boost d'équipe, donc tu me fais peur. Vas-y, vas-y, regardez. Donc là, j'occupe actuellement un adversaire juste par ma présence, alors que je suis 80. C'est bon, il a compris qu'il pouvait venir. Là, il casse mon bouclier. Attention à la deuxième séquence, c'est bon. Aïe, allez, vas-y, va capturer, va capturer. Ok, belle esquive, et le Akainu qui va se charger de toi. Tu vas voir, l'effet fournaise, c'est sympa. Et il est mort. Par contre, Akainu est tout seul. Ok, c'est bon, on a un barbe blanche. Bien joué.
de Barbe Blanche qui carry direct avec sa compétence. Il a bien fait. Et nous, on est tranquille. Ok, on n'est pas tranquille du tout au mid. Bien joué G5, on est dans le tas. Bon, on aura fait une win pour la fin au moins. On aura fait 2-3 petits trucs sympas avec Lauta. Mais bon, on en vient au même constat que n'importe quel personnage BF en free-to-play. 80, on manque de stats quand on est... Voilà, moi je suis pas quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un... je suis un noob en match-up, en 1v1. Et du coup, quand on est le perso est pas level 100, je manque toujours de stats. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, ou au moins diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour soutenir, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager la vidéo si vous êtes déjà abonné. Et bien évidemment, si vous voulez discuter, les commentaires. Et n'oubliez pas le lien de la chaîne de Yocto dans la description. Encore une fois, un énorme merci à lui pour les minias. Je vous dis à la prochaine. C'était Monkey D. Love. Bye.